Moi, ce que j'ai envie d'en retenir, c'est que peut-être la droitisation de la société n'est pas forcément une entière droitisation, mais plutôt un message que les médias, que tout le monde porte, etc., et que c'est peut-être pas le fond de la société qui est totalement droitisé. La nécessité de ne pas opposer l'individu et le collectif, c'est-à-dire de ne pas laisser la gestion de l'individu au mouvement de droite, et se dire que c'est pas parce qu'on a un mouvement de gauche qu'on prend donc en compte le collectif qu'on doit nier l'individu. J'ai retenu aussi l'importance du passé, l'importance de l'histoire des choses. Les collectifs, la société se construit à partir du passé, donc il faut toujours une mémoire de ce qui s'est passé, pourquoi on est amené à penser ces choses-là, à avoir ces concepts-là. Et enfin, j'ai retenu la nécessité de travailler sur l'universalisme. L'universalité serait l'avenir, sera l'avenir de notre société, et je pense qu'il est important, Séméa, qu'on se penche sur cette question. Alors, tu disais individu, l'individualité, mais au CMR, on a toujours travaillé cette question de l'individu et du groupe. Oui, mais n'empêche que beaucoup de gens se disent que l'individu, penser l'individu, c'est être à droite. C'est penser droite, c'est penser libéralisme, etc. Or, ce n'est pas vrai. Penser à l'individu dans le collectif, il existe, et il est important de se dire que le collectif n'est pas que une somme d'individus, c'est de travailler l'ensemble, mais de ne pas se dire que travailler l'individu veut dire absolument qu'on est en train de se droitiser.